Ok les amis, c'est mercredi, je remets mes lunettes parce qu'il fait gros soleil, il fait chaud, je meurs de chaud là, on a fermé la vitre pour pas que vous ayez du vent dans vos douces oreilles, mais sachez qu'à Londres il fait 23 degrés, donc nous n'avons pas de manteau, pas de pull, c'est ça, voilà, donc nous avons même les magnifiques lunettes, voilà. Et j'ai même des savates. J'ai mis des tongs. J'ai mis des tongs, donc voilà. Et là, nous allons chez le gynéco pour faire l'échographie du troisième trimestre. Donc la dernière, quoi. Ouais. Elena est derrière, elle n'est pas très contente. Ouais, elle n'est pas très contente là. Donc du coup, bah, c'est pas grave, elle dormira sur le chemin du retour. Vous voyez, quand Bibou, elle sait pas quoi dire, elle fait ça, là, ce qu'elle vient de faire là. C'est-à-dire donc, que... bah voilà, donc. Allez, je coupe. Elle me fait rire, elle me fait rire, Bibou. Ouais. Il y a beaucoup de vent dehors. Elena dehors les amis. On a fini monsieur gynécologue. Et tout s'est bien passé. Tout va bien. Et là je me suis arrêté à Auchan pour acheter des trucs parce que Bibou a faim. Et parce qu'on a soif et qu'on n'a pas pris d'eau. Et que Elena dort, donc on en profite pour faire des choses. Comme ça elle dort très longtemps, tu vois. Un peu plus longtemps quoi. Oui voilà. On va pas atteindre les 2h45 d'hier ou là. Non, c'est bon, je croyais qu'elle s'était réveillée. Moi aussi. Et question du jour. Bonjour. Oh, j'ai fait Ouais, tu m'as donné un j'ai coup de pied dans le tété. Percuter le tété, quoi. Ouais, t'as fait de me perforer. Une fois n'est pas coutume. Nous faisons une question du jour. Oui, les amis, oui. Et on vous le dit là, tout de suite maintenant, on vous le redit. On fera un live très bientôt. Oui, et je pense que c'est moi qui vais l'organiser, enfin le... Le planifier. Bon, on va le faire courant janvier, c'est sûr. Oui. Est-ce que ça sera avant le 15 janvier? Peut-être. On verra. Il faut voir suivant notre planning. Tout à fait. Exactement. Nous avons choisi de répondre à une question aujourd'hui de Kellan Baby. Kellan Baby qui nous demande est-ce que nous avons des résolutions pour 2018 ou est-ce qu'on n'est pas trop résolution? Alors, est-ce que je peux répondre d'abord? Ah, vas-y. Je sais même pas quoi répondre. Pour lui. Il n'est pas résolution, il s'en fiche complètement et pourtant il devrait en avoir. Il y a même une année où je me rappelle que je lui avais écrit ses résolutions, les résolutions qu'il devait prendre. C'est vrai. Pour je les ai un peu suivies. Un peu, d'être un peu plus patient. Un peu. Je suis un peu plus patient d'année en année. Ouais. Parce que oui, si vous ne me connaissez pas, je suis quelqu'un de très impatient. Oui. Moi je suis assez résolution, j'aime bien ces trucs là. Après cette année c'est vrai que je me suis pas penchée sur la question. Ouais. C'est assez dommage, je sais pas pourquoi, j'ai peut-être pas le temps, donc je vais y penser là avec vous. C'est que je pense que cette année déjà ma première résolution c'est que j'aimerais assez vite et assez bien retrouver mon corps d'avant grossesse après l'accouchement, évidemment. Donc ça c'est partie de mes résolutions principales. Ouais. Puis après j'aimerais être une maman au top et de gérer au max mes deux bébés, d'avoir un allaitement qui se passe au top et ça sera le cas. Et puis que dans notre couple ce soit toujours aussi bien et de mieux ça en mieux. Ça sera le cas. Et si tu devais me donner une résolution à moi à suivre? La patience, ça va, je pense. Bon, on va plus parler de la patience parce que c'est une résolution constante, vitam aeternam. Donc, j'aimerais que tu sois encore. Enfin, que tu sois un super papa avec la deuxième. Mieux, quoi. Plus tôt que tu ne l'as fait avec Elena. Bon, c'est facile. Que tu sois avec elle comme tu es avec Elena aujourd'hui. Facile. Voilà, c'est dès trop le départ. Facile. C'est trop facile. Et moi, je vais donner à Bibou la même résolution que je lui donne tous les ans depuis 8 ans. C'est d'être. D'être. D'avoir. Non, non d'être. D'avoir quoi? Non, d'avoir quoi? D'avoir plus confiance en moi. Oui, mais non. D'être plus. Ah, Kaline. Kaline, 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 Kaline. Oui.
Caïne. Alors moi mon problème c'est que je suis pas assez câline. J'aurais pu faire sur la plage aussi. Lui il est pas assez. Sur la plage. Il est pas assez patient. Caline. Mais de toute façon les résolutions qu'on se donne tous les ans et qu'on n'arrive pas à tenir, à un moment donné il faut les abandonner. Mais c'est qu'à un moment donné en fait ça veut dire que ça fait partie de nous. Mais non, je continue à y croire. Mais moi aussi je continue à y croire. Merci pour ta question. Les amis, il est 20h. 20h, non, 19h. 19h. Ouh là là. C'est l'heure que j'allais faire à manger. 19h, effectivement, Bibou, c'est l'heure que tu allais faire à manger. Oui. Et Elena est fatiguée parce qu'elle a dormi que 1 heure cet après-midi. Elle s'est réveillée entre, en plus. Elle a dormi que 1 heure, elle a fait 1 heure de sieste dans la voiture. Ouais. Hein, princesse? Hein? Donc là, elle est vraiment fatiguée, là. Et puis moi aussi, je suis fatiguée en ce moment. Are you pregnant? Non, are you enceinte? Mais pourtant, je suis pas enceinte. Enceinte comme ça, tu sais. Ouais, bientôt, non. Mon ventre est pas... Elena est tombée. Ouais, mon ventre est pas si gros que ça, mais... C'est comment que... ça? Bah alors. Ouais. Donc voilà, on va faire notre petite routine du soir. Les amis, il est 20h30. Bibou est en train de faire une miniature, bam, comme la plupart de nos soirées. Oui. Ensuite, je terminerai la description, le titre et tout ça. Pour qu'il y ait un vlog demain matin. Vous avez compris comment fonctionne un peu notre routine. Vous avez vu cette tête concentrée de Bibou. Oui, et donc 20h30, on va aller au lit. Enfin, on va aller dans la chambre. C'est la toute première fois qu'on va aussitôt, qu'on arrête aussitôt de travailler. Généralement, c'est plus vers 21h30, voire même 22h, qu'on est enfin posé, tranquille. Ouais, tu là, vois le truc. C'est parce qu'on va regarder quelque chose qui va nous ramener à tard. Mais là, on va regarder un film qui dure 2 heures, qui s'appelle Psychose, et on n'a pas envie de se coucher trop tard, donc on le lance. On regarde le deuxième de Psychose, d'ailleurs. C'est oui. Psychose 2. On a fini de regarder Bates Motel, d'ailleurs. C'était merci. Super bien. Merci à tous ceux qui nous ont conseillé cette série. Quand on vous a demandé des conseils de séries, il y en a plein qui sont revenus. Mais Bates Motel est revenu pas mal de fois, et donc on l'a regardé et... télécharger et regarder et c'est pas bien de télécharger et c'était super, ouais, donc là on va regarder le film bien. On vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu, honnêtement c'est très très bien, c'est dramatique et un peu c'est profond, c'est très bien. Donc si là, vous avez regardé Psychose comme moi, j'ai déjà vu Psychose le tout premier, donc je l'ai encore plus apprécié du coup, mais ouais c'est vraiment pas mal. Donc là on va se faire ça pour comparer un peu avec la série. Et ensuite, on va dormir. Attendez. Ouais, et demain, on va être en paix totale. Demain, on a beaucoup de boulot et Léna est chez la nounou. Ouais. Mais on va bosser tranquille parce qu'après-demain aussi, elle est chez la nounou. Donc, du coup, ça nous fait 2 jours. On peut le faire à un rythme un peu plus humain. Bon, ces fêtes-là, ça nous a un peu retardé dans pas mal de trucs. Donc, on est un peu fatigué, mais on reprend doucement du poil de la bête. Mais oui, bien sûr. Du poil de la bête, ça veut rien dire, cette expression. On reprend du poil de la bête. Tiens, qui veut un peu de poil? Qui veut un peu de poil? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'on sort de l'hiver. C'est une expression à la française. Ouais, ah, peut-être. Alors qu'on se rend plume. Ouais, je sais pas, on reprend du poil. Ouais. On a perdu des poils et là on en reprend. Donc on est plus en forme en fait. Parce que quand t'as pas de poil, c'est que quand les animaux ils perdent leur poil, c'est qu'ils sont pas en forme quoi. Vous avez 3 heures et vous nous faites votre dissertation en commentaire, les amis. Merci beaucoup. C'est sa chef. Ce vlog. N'oubliez pas de mettre le pouce, vous avez apprécié cette vidéo. Mais vous avez le droit de mettre le pouce à plein de vidéos, n'hésitez pas, ça nous fait très plaisir. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as vu du coup à quelle date on avait commencé les vlogs? C'était le 26 novembre. Non. Ah, sur Juju Baby, sur non, les... je crois, je crois que c'était le 15. Je me rappelle qu'au tout début de l'année 2017, on avait dit... quand on aura les 5000 abonnés, on commencera les vlogs sur JBaby et je crois que c'était vers le 15. Bon. Mais il suffit qu'on aille voir. Ouais, parce que j'allais vous dire, n'oubliez pas d'aller voir le même vlog il y a un an, mais en fait, il n'est pas encore. Non, parce qu'on a fait un trou, on a stoppé les vlogs du 25 au 15, je pense. Mm. Par contre, on est bientôt à 18 000. Au moment où on filme là, on est à 987. Ah ouais, 17 987, donc là je pense qu'on sera à 18 000. Peut-être, c'est pas sûr. Merci les amis. Merci. On vous dit à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao. C'est
C'est con parce que là, on a fait plein de trucs et Babou, il a une coiffe dégueulasse. Ouais, regarde. Enfin, c'est lui qui dit ça. Hein. Moi, regardez je pas ça, les si amis. C'est dégueulasse que ça. Hein. Voilà. Regardez-moi, c'est pas mieux. Hein. Je me suis lavé les cheveux, c'est même pas coiffé. notre vlog 2017 démarre avec une coiffure pourrie. Et une deuxième. Hashtag épi. Voilà. Hashtag ne. Si toi aussi, tu es mal coiffé, eh ben, et que tu l'assumes. Ok, les amis, c'est samedi. On est le 14 janvier. Déjà. Déjà, le temps passe. Notre petit bébé a 19 semaines, regardez ça. Ouais, elle va avoir 20 semaines là dans deux jours. 19, et c'est écrit là pour ceux qui ne savent pas, le petit panneau qui est là. Oui. Et voilà, la beauté incarnée que j'ai tous les matins au réveil. Si vous arrivez à trouver une femme plus belle au monde, plus stylée, dites-le moi. Moi j'adore. C'est pour ça que je l'ai choisie d'ailleurs, parce que même moche, elle est belle. Eh ouais. Alors que moi, même beau, je suis moche. Ah, qu'il est con celui-là.